Bon les gars, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un tuto, bah encore une fois à l'arrache, hein, comme d'hab, on change pas. Pour un job vigneron, donc je vais vous montrer un peu les bases. Je sais pas si on aura le temps de faire un coffre, mais je pense que oui. Et si on n'a pas le temps, je le ferai en deuxième épisode. Et le menu boss aussi. Donc voilà, donc là pour l'instant on va au moins voir les blips, la récolte, le traitement et la revente. Donc pour commencer, vous allez avoir besoin voilà, d'un client, d'un serveur, d'un config, du src, et voilà. Dans le config, on peut mettre config. Enfin voilà, comme ça. Là, on peut mettre config.vigneron. Voilà, j'ai préparé quelques petites pauses parce que voilà, c'est plus simple. Donc, on peut mettre aussi blips égale true. Ça, c'est si vous voulez. Enfin, c'est juste pour vous donner plutôt un exemple. Mais enfin voilà, c'est si vous le voulez. Ensuite, on peut mettre blip job est égal tac. Donc là, on va mettre cette pause là. Récolte, on va mettre. Merde, pardon. On va mettre ces pauses là. Ça, on va mettre. Pour le traitement, hop, et ça, on va remettre pour la revente. Parfait. Vente. Qu'est-ce que ça me fait là? Voilà, comme ça. Parfait. Maintenant, on va pouvoir aller dans le client. Comme ça, on va pouvoir. Faire un citizen.createThread fonction. Voilà. Donc, on va mettre si jamais on veut le blips principal. Mais après, c'est pour vous donner des exemples. Hein. C'est pour vous montrer comment ça marche. Mais après, vous pouvez modifier à votre guise. Donc, if config.vigneron.blip. Alors, donc, si c'est sur true ici. Ça va mettre le blips. Donc, les blips, comment ça. Oui, non, c'est bon. Donc, for, comme ça, K, il n'est pas obligé de le mettre. Hein. Là, on va mettre blip in pair config.vigneron. J'ai mis quoi du coup? Blip job. Do. Up and donc local blip est égal à add blip for cord voilà. Je crois qu'on peut juste mettre blip hein. Ouais, on peut juste mettre blip hein, normalement. Set blip il ou le sprite là sprite ID donc c'est l'idée du l'idée du blips donc en fait ça fait deux fois que je tourne la vidéo donc je l'avais trouvé voilà 93 voilà ensuite set blip scale bah, parfait donc ça c'est la taille ça c'est l'ID ensuite voilà ça c'est pour s'il y en a plusieurs je crois pour que ça fasse 1 2 enfin blips 1 sur 2 2 sur 2 et tout. Donc ça c'est pour montrer que ça va être le titre du blips, ça va être du string, donc en gros de l'écriture normale. Et là on peut mettre vigneron. Parfait. Donc là déjà on peut refresh et ensuite tuto 2. Et normalement on a bel et bien un blips. Qu'on a appelé bar. Comment ça se fait? Je crois que j'en ai oublié un, c'est pour ça. Sprite scale. Color déjà, set blip color, color. En couleur, qu'est-ce qu'on peut mettre? On va voir du 27 ce que ça donne. Voilà. Et end text, il me semble. Commande set blip name. End text, commande set blip name. Voilà. Et là, on a bien vigneron. Parfait.
Donc voilà. Et donc maintenant on va pouvoir créer ceux de la récolte, du traitement, etc. Mais ça du coup on va les faire voir que à ceux qui auront le job, forcément. Tac. Donc au lieu de mettre si là c'est sur trou. Donc si là c'est sur trou, on va vérifier le job du joueur. Donc pour ça, il faudra tout ça. Je vais pas recopier à la main, ça sert à rien. Je le connais pas, il faut juste copier ça, c'est. Voilà. Parfait. Donc, maintenant, pour vérifier comment dire, le job du joueur, il faut aller dans. Enfin, il faut faire player data.job and sx.playerdata.job.job. Donc là, on va vérifier le job du joueur pour vérifier s'il est bien égal à vigneron. Mais donc là, ce qu'on peut faire, name of job. Là, on peut mettre vigneron comme ça. Vigneron comme ça, voilà. Donc, s'il est bien égal à config.vigneron.name of job. Alors, si c'est ça, alors on peut créer le blips. Va falloir créer un blips à chaque fois, par contre, c'est chiant. J'ai pas fait ce qu'il y a de plus pratique. Non, j'ai vraiment pas fait ce qu'il y a de plus pratique. Mais bon. Enfin, si, en soi, oui. Mais en fait, le problème, il aurait fallu mettre le même nom à chaque blips si jamais. Mais donc là, au moins, on va pouvoir mettre récolte, traitement et vente. Donc là, on va pouvoir mettre récolte. Là, on va pouvoir mettre traitement. Et là, on va pouvoir mettre vente. Là, on les voit pas sur la map si tout se passe bien. Voilà. Et si je mets cette job, un vigneron. Là, normalement. Ok. Et si je. Voilà, parfait. Donc, il y a juste un petit problème. Oui, c'est normal. Donc là. Unemployed 0. Et on va encore les voir, mais normalement, si on attend 5 secondes. Ah non, même pas. Si. C'est ce wait là qu'il faut pas mettre. Parce que là, normalement. Tac. Donc là, je suis unemployed, donc je le vois pas. Et si je mets cette job. Qu'est-ce que j'ai bien pu oublier? Parce que normalement, on est censé le voir. Sans relancer la ressource. Bizarre, bizarre. Je vais regarder juste à ma gauche sur mon deuxième écran. Ouais, pourtant c'est bien ça. Hein. Je peux revérifier en recopiant, en collant. Hop. Bon, donc là je l'ai parce que je suis. Voilà. Et là je l'ai encore. C'est bizarre ça. Ah bah je sais sur quoi je peux regarder. J'ai eu le même problème tout à l'heure. Donc déjà on peut enlever ça. On va mettre ça. Ça vous l'aurez sur mon Discord, je pense. J'essaierai de le mettre sur mon Discord. Ok, c'est parce que en fait ici il faut que ça soit une boucle pour vérifier si c'est mon. Si c'est bien le. Comment dire? Enfin, en gros, faut que ça vérifie en tout le temps si la personne a le job. Mais du coup. Du coup, c'est pas une bonne idée.
Non, en fait, non. Je viens de me rappeler que c'est impossible, en fait. J'avais déjà demandé à quelqu'un de me le faire. Il me l'avait fait. Mais je peux vous dire que c'est pas la même. C'est bien plus dur. Donc, non, en fait, c'est obligé de relancer la ressource quand c'est comme ça. Mais bon, voilà. Donc là, j'ai pas les trucs. Si je mets ce job, que je relance, j'ai bien les trucs. Mais sinon, et puis je compte pas vous le montrer parce que franchement, c'est vraiment plus dur. Donc voilà. Donc là, c'est bon. On a bien les machins, on a bien les blips. Ça, c'est good. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la récolte. Ouais, on va faire la récolte, c'est ce qu'il y a de mieux, ce qui me paraît plus le mieux. Donc c'est juste là. C'est là. Tac. On va pouvoir retourner là. Ici. On va faire Citizen. Pancrase Red fonctionne. Hop. Donc, while true. Alors, local, on va mettre intervalle de base à, je sais pas, je crois que c'est 1000 le mieux. Ouais, je crois que c'est 1000. Donc, for la virgule v in pairs de config.vigneron.récolte alors, if sx.player data.job and sx.player data.job.name égal config.vigneron.job name of job voilà alors déjà, on peut mettre end, voilà, comme ça. Ici, ne surtout pas oublier le wait intervalle, sinon, bien évidemment, ça va vous faire crash parce que ça va faire une boucle qui se répète, qui se répète, qui se répète, qui se répète, et indéfiniment à une vitesse énorme. Donc voilà. Donc là, on va prendre, enfin, on va get la position du joueur, donc get entity chords de player paid ID. Merde. Ah, je suis n'importe quoi ce soir. Local, la distance. Donc, on va comparer les distances. Donc, pour comparer, on va mettre un petit hashtag. Merde. Donc, player pose avec V. Donc, V, c'est quoi? C'est ça, du coup. Parce que V, c'est égal à ça, en gros. Donc, voilà. Donc, si la distance elle est inférieure ou égale à 10 par exemple, 10.0, alors l'intervalle elle se met à 0 et on draw marqueur. Je vous avoue, par contre, les marqueurs c'est pas que c'est chiant à faire, mais un petit peu. Donc, hop, on va retrouver ça là. Attendez. Où est-ce que je peux retrouver un? Là. Un draw marqueur là. Parfait. Ici, on peut juste mettre V. Ah, quoique non. Qu'est-ce que je raconte? Parfait. Ensuite. Donc là, voilà. Oh, qu'est-ce que je fais là? Ça m'énerve. Tout le temps en vidéo, je suis plus lent. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que je parle en même temps. Si la distance, du coup, elle est inférieure ou égale à 1,5 m, par exemple, on va mettre un rajouit.text. Tac, tac. Là, c'est message. Message, donc c'est ce qu'on affiche. Appuyer sur. Tac, on va mettre en bleu E majuscule hop pour récolter des graines ouais time
Display. C'est 1 du coup, parce que dans tous les cas, ça change rien. Pour récolter du raisin. Voilà. Et donc si is control just precede, donc 0 et c'est 51 pour E, alors on open récolte. End. Voilà. Déjà, on a un marqueur pour récolter des raisins. Parfait. Donc là, on ne peut pas encore appuyer sur E parce que cette fonction-là, on ne l'a pas encore faite. On va la faire du coup ici. Donc, function end, donc local récolte. Donc, ça, c'est le nom de votre racine de menu, entre guillemets. Donc, rajuit.create menu. Ici, on peut mettre récolte. Et là, on va mettre interaction. Non, on va faire mieux que ça. Dans le config, on va mettre un config.text. Ici, on va mettre récolte, par exemple. Récolter, voilà. Ensuite, là, on peut mettre interact est égal interaction, et là du coup ce qu'on peut faire ici c'est config.text.interact, et ici du coup config.text. J'ai mis quoi, récolte, voilà, parfait. Voilà, donc là, rajuit.visible. Donc, récolte, virgule, note, rajuit.visible, récolte, voilà. Donc, si, enfin, while, je sais plus trop ce que ça veut dire exactement. Mais, enfin, voilà. Donc, si récolte, en gros. On fait une boucle pour rendre le menu visible, en gros. Ça, j'avoue que je sais pas trop expliquer à chaque fois. Récolte, virgule, true. Ça, je sais plus trop ce que ça sert, mais false là ici, c'est pour éviter d'avoir l'animation du menu en haut, du blanc là qui fait un effet. Donc, voilà. Tac, parfait. Donc là, on peut encore mettre un end. Et encore un autre, il me semble. Oui, sauf que là, du coup, il faut mettre un if note rajuit.visible récolte. Alors, récolte est égal rmenu. De point delete type récolte virgule true. Ici c'est si on veut freeze, par exemple freeze entity position. Bon, on peut hein. Player ped id, enfin non, là c'est du coup quand le menu est fermé, donc là on va le mettre sur false parce que du coup on veut pas le freeze hein, forcément. Et du coup il manque un end. Pourquoi là il y a un trou comme ça? Oui, il manque. Bon, je sais pas. Il me semble que c'est parce que c'est comme ça de base. Ah, j'aime pas avoir mes menus quand c'est moche comme ça. Je sais pas c'est quoi la commande pour tout remettre bien. Et donc là, du coup. Ici, donc quand ça en gros c'est ouvert, alors là on peut mettre un freeze entity position player pad id true. Voilà. Et là voilà, récolter interaction. Parfait. Et donc là on peut voir qu'on est bien freeze. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire?
Est-ce qu'on fait un pourcentage panel comme mon système de drogue? Ça peut être intéressant. Ouais, je pense que ça peut se faire en vrai. Ouais, bah c'est parti. Rajui. Pourcentage panel. Là, du coup, dans le config, on va mettre un config.param. Là, faudra surtout pas y toucher. Load égale, je crois qu'il faut mettre 0.0 au début. Voilà. Hop. Je me rassure bien. Config.param.load. Là, ça va être le titre, en gros. Donc, récolte de raisins en cours. On va mettre en bleu, en orange. Orange peut-être. Point point mat point flore config point param point load fois 100 point point tac. Donc là on va mettre le pourcent et on va remettre en blanc. Ça c'est pour l'affichage qui est à gauche, il me semble. Ouais, à gauche. Et ça va être l'affichage qui est à droite. Un petit texte qui est marqué. Mais ça fait vraiment pas beau. Je vous déconseille d'en mettre. Ici, on s'en fout. Ici, on peut mettre. On s'en fout aussi. Et c'est juste personne, je crois qu'on utilise. Parfait. Je vais regarder juste comme ça. Voilà. Donc, ifconfig.param. Load si il est inférieur à 1.0 alors config.param.load est égal config.param.load plus 0 combien on peut mettre? Je sais pas du tout faut remettre combien en fait parce que en fait ça change vraiment, c'est vraiment sensible comme truc. Donc sinon config param parfait. Et donc là on peut mettre print fin de la récolte. Ça me paraît pas mal. Juste un problème, ouais, je sais pas pourquoi j'ai foutu un A là. S'il te plaît, voilà. Et donc là ça charge. J'ai oublié une parenthèse. Tac. Mais là, on peut voir que c'est assez lent. Peut-être augmenter un peu le. Enfin, on va peut-être diminuer le temps. Mais justement, je sais pas comment on fait. Je sais pas s'il faut augmenter ou diminuer le truc. Ça, c'est des calculs. Il suffit de réfléchir un peu et ça marche. Hein. Mais faut réfléchir, quoi. Et là, on peut voir fin de la récolte. Parfait. Si on met 10 là, c'est plus long ou plus rapide? Plus rapide. Si on met 15. Non, si on met 20. Voilà, 20 c'est trop rapide. On va mettre 15 juste pour le tuto. Après, vous pourrez modifier. Oh, ouais, non, on va mettre 10 même. Voilà, parfait. Donc, c'est parfait. Maintenant, on va faire le côté serveur. Donc, ici, au lieu de ça, on va mettre un trigger serveur event vigneron 2 points récolte. Ici on s'en fout. Donc là on enregistre en gros l'event. Là on l'écoute en gros si on veut dire ça comme ça. Local src est égal la source. Local xplayer merde est égal ça comme ça. Donc qu'est-ce que j'ai oublié déjà? Côté serveur d'une entreprise, il y a quelque chose à faire. Oui, pour enregistrer un numéro. Bon, tac, je vais copier comme ça. Alerte vigneron, mais du coup vigneron, vous en avez rarement besoin normalement. Et
pour enregistrer dans la société, enfin pour une société, voilà. Et donc là on peut remplacer par vigneron. D'ailleurs, petite astuce, là vous faites CTRL F sur police, CTRL H, et là vous mettez ce que vous voulez, voilà. Parfait. Donc ici on va pouvoir mettre. Si vous êtes sur ESX Legacy, donc avec le système de weight pour le poids, vous pouvez mettre if xPlayer. Can carry item item bah du coup pour le test ah ouais. Local item est égal à config.vigneron.récolte item ouais récolte item est égal à je sais même pas. Bah du coup en attendant on va mettre du pain. Récolte count, parfait, traitement item. Ouais mais putain. Tac, tac. Mais du coup je vais pas avoir ces items là, donc ça va pas me les give. Donc en attendant on va pouvoir mettre weed. Weed push. Et hein? Attendez, il y a un problème là. Non, vente d'items, ça n'existe pas ça. Voilà. Donc en attendant, on va mettre de la weed, hein, tant pis. Config. Du coup, c'est quoi? Pour récolte item, du coup. Donc item, c'est item, count, c'est. Du coup, récolte count local count est égal config.vigneron.récolte count. Parfait. Donc, si en gros la personne peut porter cet item avec ce nombre de d'items, alors bah, xPlayer, vous avez récolté. Ouais. Parfait. On n'avait pas de place dans notre inventaire. Parfait. Donc, testons. Alors. Plus un weed. Vous avez récolté un weed. Parfait. Et là, pour le test. Bon, par contre, on va augmenter la vitesse finalement. J'ai pas envie d'attendre ça tout le long de la vidéo à chaque fois. Et là, pour le test, si on met 3. Ça va m'en donner 3 normalement. Parfait. Bah nickel. Récolte item label par contre. Weed, voilà. Même s'il y a un autre moyen de le faire, mais je sais plus c'est quoi. C'est get item label, un truc comme ça. Mais je sais plus comment on fait. Et local. Label, item label, parfait. Et donc là, parfait. Et là, c'est en majuscule vide. Parfait. Nickel. Parfait. Donc, maintenant, on va pouvoir faire le traitement. Donc là, on va pouvoir encore une fois copier-coller ça. Traitement pour traiter. Du raisin et voilà config donc là on va pareil il faut reprendre les menus en fait hein, quand c'est comme ça open traitement là traitement aussi juste ça, on va mettre ça comme ça. Donc là ici on va pouvoir mettre traitement égal bah, traitement du coup. Voilà. Ici du coup, voilà, parfait. Et donc là on va voir, on va pouvoir aller sur le traitement, ce TP. Alors juste du coup,
J'ai oublié de changer. Ici, c'est open traitement. J'ai oublié de relancer, je crois, du coup. Voilà. Et donc voilà. Traitement. Et là, du coup, ça va être ça. Donc. Alors, register, serveur, event. Non. Register, serveur, event. Mais attendez. Mais oui. Register, serveur, event. Wesh. Ouais, je sais pas c'est quoi la différence en fait. Ben, d'accord. Ça, pareil, hop, on va pouvoir faire ça. Donc ça, on va pouvoir... Il va nous falloir l'item que ça nous give et l'item à traiter. Donc là, récolte item et traitement item que ça give, en gros. Local item give, on va l'appeler. Voilà. Parfait. 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 Récolte remove. Donc ça, c'est combien ça va nous enlever, enfin combien il faut pour le traitement en gros. On va mettre 2 par exemple. Je me suis aventuré dans un truc par contre. Pas sûr que ce soit la meilleure idée, mais bon. Donc. Oh oui, wesh, copilote, s'il te plaît. Local label item give. Bon, c'est pas les meilleurs noms que je donne, mais j'ai pas d'idée. Donc, config.vigneron.traitement item label. Donc, if xplayer.can carry item. Alors là, c'est plus compliqué, hein. Il va falloir faire 2 vérifications. Donc si la personne peut récupérer l'item que ça give, donc item give, le nom que ça lui give, donc count give, alors qu'est-ce qu'il faut vérifier aussi? Si la personne a assez de weed là pour le coup pour transformer. Donc local count item. Parfait, je crois que ça va être bon. If count item. Donc si le nombre d'items qu'il a est supérieur ou égal à count remove. Alors on lui xplayer, donc s'il a assez, on lui remove inventory item item remove count count remove. Parfait. On lui voilà. On fait un trigger client event ESX 2 points show notification à la source et là on met vous avez traité kungive voilà si il a pas assez alors vous n'avez pas assez de label item else donc si il a pas assez de place dans son inventaire voilà alors là si ça marche je prends mes coups donc attendez slash clear inventory 1. Donc là j'ai rien. Vous n'avez pas assez de gros weed, mais du coup ah non bah du coup non. Vous n'avez pas assez de local label
item remove, on va mettre. Parfait. Donc là voilà. Donc là on n'a pas assez de. Wesh, mais. Moi je vais récupérer ça. Je vais récupérer récolte item label. Voilà. Donc là j'ai pas assez de weed pour traiter. Si je m'en give 100, j'ai pas assez de place dans mon inventaire. Et si je m'en give 2 par exemple. Voilà, maintenant je vais essayer de vous expliquer pour paramétrer. Donc ça c'est le nombre d'items. Alors, nombre d'items give lors de la récolte. Nom de l'item à give lors de la récolte. Label de l'item give lors de la récolte. Traitement count. Traitement count. Quand est-ce que j'utilise? Confie, compte give. Combien ça donne de pochons? Oui. Lors du traitement. Récolte remove. Lors du traitement. Donc ça c'est le nombre d'items qui est enlevé genre, quand tu traites. Ça c'est le nombre de pochons entre guillemets qui est donné. Donc ça c'est le nombre de weed par exemple qui est enlevé. Ça c'est le nombre d'items. D'items vendus lors de la vente. Label de l'item récolté. Item à récolter. Voilà. J'espère que c'est clair. C'est pas archi facile à expliquer. C'est un peu long. Mais ça va le faire. Donc voilà. Donc ça fonctionne. Donc là par exemple si on veut. Alors. Là j'ai pas assez de weed. Donc là. Ouais, je me suis trompé. Je me suis forcément trompé quelqu'un quelque part. Count remove, c'est quoi? Récolte remove. Slash nombre d'items qu'il faut pour traiter. Voilà. Donc là, si je veux qu'il en faut 5, et bah du coup, récolte remove, récolte remove, point, point. Pour traiter, il en faut point, point. Voilà. On va tester. Là, si je le fais, ça va me dire qu'il m'en faut 5. Voilà. Là, si je m'en give 5, normalement. Parfait. Si je rouvre. Voilà, il m'en faut 5. Ah, c'est bon. J'espère que vous comprenez. Sinon, bah, vous pourrez venir sur mon Discord pour demander de l'aide. Hein. De la vente. Ouais, bah, je sais pas pourquoi je l'ai foutu en magasin, mais voilà. Config. Non, client. Comme d'hab, on copie. Open vente.
Il aurait fallu faire un truc un peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, on va refaire comme ça. Mais j'essaierai de trouver un autre système de revente ou un truc comme ça. Register, serveur, event, add event, handler, voilà, fonction, end, conda, local source. Donc, là, qu'est-ce qu'on a marqué? Nombre d'items vendus lors de la vente. Donc, local item vendu est égal config.vigneron.vendcompte. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut le nombre d'items qu'on a de lui. Donc, le nombre de. Item. Local item required. Voilà. Et là, le nombre. Ça, c'est le nom. Ok. Et. Number of number for celle plutôt nombre d'items qu'il faut pour vendre. Ouf. Local number requiert. Voilà. Donc, local count item du coup est égal xplayer.getInventory item required. Donc là on récupère en gros ça. Donc on récupère en gros le nom de l'item qu'il faut pour traiter. Donc si il a assez de place, même s'il n'y a pas besoin, parce que techniquement, enfin, on va le faire quand même, parce que si vous changez le nombre, bah même pas, parce qu'on vend, donc forcément ça en enlève. Non, bah il n'y a même pas besoin en fait. Donc, if count item est supérieur ou égal à number required, donc si il a plus ou égal de d'items qui de traités à vendre, enfin genre s'il a en gros plus ou égal pochon de ce qu'il faut pour vendre, donc en gros que vous pourrez paramétrer là xplayer.remove inventory item item required et count item. Non, attendez, vente count item vendu local. Et là, on va prendre compte. On va le foutre là. Donc là. Voilà.
Price for sale. Prix de vente, voilà. Local price égal. Voilà. X player. Point add. Add money number mettre price et s'il a pas assez de pochons en gros pour vendre n'avait pas voilà alors oui j'ai dû oublier une virgule en effet j'ai pas modifié Paris dans le vigneron config.vente en cours donc tac parfait donc on va essayer de tester plusieurs trucs donc si j'ai rien dans mon inventaire vous n'avez pas assez de wheat bush pour vendre donc par exemple première erreur local item required label voilà déjà on va mettre ça là on est passé de gros 8 pour vendre parfait si je m'en give ça va être bon sauf que là du coup si dans le config on augmente donc là nombre d'items qu'il faut pour vendre si j'en mets deux mais que je m'en give un seul j'en ai pas assez oh, j'ai peur de couper la vidéo ici pour vendre je pense que c'est bon techniquement c'est fonctionnel prochaine vidéo on fait menu boss et coffre si j'ai le temps mais voilà mais je pense que c'est à peu près tout hein. J'en profitais pour faire un peu la pub ah bah tiens d'ailleurs j'ai pas mal de DM et pas mal d'arrobase hein. J'en profitais pour faire la pub de mon Discord donc d'ailleurs merci on a à peu près 70 membres sur le Discord ça fait vraiment plaisir avis client parfait job concessionnaire nickel un grand merci voilà là c'est le job police donc si vous avez besoin d'aide ou quoi vous pouvez venir. Donc là, je vais l'aider par exemple cette personne-là. Et voilà. Et là, déjà, il y a des tickets où il faut que je réponde. Et j'ai des MP. Donc voilà, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez le moindre problème, comme je viens de le dire, vous venez sur le Discord. Et moi, ce sera avec plaisir que je vous aiderai. Allez, salut.